La petite émission. Le bon générique. Vous venez d'où tous les deux de Makin? Je suis pas du tout galant, excuse-moi, je vais plutôt demander à Yannick. J'ai l'habitude. Allez, vas-y. Ah non, honneur. Je comprends bien le favoritisme, hein, y a pas de soucis. Okay, non, vas-y, c'est non, pas, je te laisse la main. Ah non, je ne continue pas cette émission si tu ne J'y vais. Tu veux voir, on réfléchit sport. Donc attends, il y a peut-être. On peut rentrer? Ah, pardon, voilà, donc il y a là une réunion en ce moment. Donc on dérange pas, c'est bon, on réunit. Ok, bah, je peux peut-être parler. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'on était en train de faire. Alors c'est très simple, nous on fait quoi? Nous on fait de l'e-sport. L'e-sport c'est quoi? L'e-sport c'est l'argent. L'argent c'est quoi? C'est encore plus d'argent avec les bots. 3000 viewers en plus sur les streams. Donc je vais vous présenter aussi la wishlist pour l'année 2016. Donc un célèbre vlogueur pour la première place, hein, notre préféré. Dukianus, je connais pas trop. Les Willis, parce que bon, les Willis c'est l'e-sport. L'enfant de la Paris Games Week, parce qu'il est pétri de talent, il a vraiment un potentiel. Et le cocasseur de Sardoche, dont personne ne connaît le nom, mais il passe bien à la caméra. Et donc voilà, Kenny. Donc tu vois, ça c'est de la merde. Ça on le fait pas, ça, Kenny. Allez. Donc voilà, l'Eclipsia Lounge e-sport, on a appelé ça comme ça. Donc c'est notre petit recoin, on peut s'affaler, voilà, quand on stream jusqu'à 5h du matin. Il faut savoir que ce n'est pas du tout un jeu d'acteur, il s'est vraiment endormi le pauvre. Enfin, en gros, il stream jusqu'à 5h du matin en ce moment, donc voilà, on lui a demandé de venir pour le lancement de la TV1. Il est là, il est présent, voilà. Pauvre Kameto. Donc en fait, c'est simple, donc on a un box, donc on l'a renommé récemment, donc on l'a appelé le box Anos e-sport. Donc vous allez voir, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Voilà, donc là c'est Xaric en ce moment, donc voilà. Donc en fait c'est simple, vous pouvez voir, il ouvre des onglets partout, il ouvre énormément de pages Twitch sur les côtés, ce qui fait que bah du coup notre nombre de viewers monte, et ce qui fait qu'on devient la chaîne numéro 1 e-sport, grâce à Xaric, voilà. Et je sais que Xaric en ce moment c'est un peu, attendez, je vais peut-être lui passer, il a l'air d'avoir un souci, je sais pas trop si... Voilà, je suis occupé de faire les bots là pour la Roumanie, pour les États-Unis. Il y a Barack en ligne là, donc c'est assez chaud. On n'en voit pas assez là. On a que 1200 bots. Il a commandé 2000, donc là je suis sur le coup. Il y a un écran qui est tombé en panne là, donc je suis galère. Donc désolé, pas trop d'interview s'il vous plaît. Pour le moment, on va parler de plusieurs choses. Le contenu un petit peu de cette LPE, un petit peu spécial. Ça va être un peu une fausse LPE. T'as une idée, Kenny, de ce qu'on va parler? Non, pas vraiment. On parlerait pas du bouton de Max. Est-ce que vous le voyez, je sais pas, mettez-vous en gros plan sur Oh, il est énorme. Ah, vous le voyez, j'ai un bouton sur le nez. Oh, la planète Terre qui a rencontré Jupiter, stratosphérique. Attends, là, ça veut dire que t'as un appart. Ouais. T'es seul dedans. Il y a un lit dedans. C'est-à-dire que là, toutes les e-girls du web peuvent te contacter. C'est le moment. Il est là, il est sur Paris. Je veux dire, cet homme peut faire du mannequinat. Donc, t'as trouvé un appart aussi. Oui, on a signé. Avec tes épouses. Aujourd'hui même, nous avons signé, nous avons appelé Barack, il nous a envoyé un hélicoptère en recommandé. Combien de mètres carrés? L'hélicoptère ou l'appart? L'hélicoptère 150 mètres carrés, avec supplément jacuzzi. L'appart de 27 hectares, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est correct. C'est vrai qu'on a un petit bois, une petite partie de chasse à la cour, à un hélicoptère. En plein Paris, 10e étage, un truc comme ça, genre petite forêt en dessous. Ah, tu peux enfin promener ton chien en hélico? Ouais, non, en fait, tu vois les jardins suspendus de Babylone? Ouais. Bah là, c'est comme ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, c'est quand tu m'avais montré, ok. C'est pas mal. C'est bien ça. Ouais. En plus, on paye genre 2 euros par mois. 2000 dans 2 et c'est à côté des Halles, quoi, bien sûr. Non, mais on s'est concerté avec tes épouses et tout. Le truc qui nous a fait vraiment choisir l'appart, c'est qu'on vient au bureau en tyrolienne. Ça c'est le plus. L'avantage d'être en hauteur, parce que ouais, si t'étais au rez-de-chaussée, ça marche coup, pas. On a payé les 2 euros, quoi. Okay. Donc à 4, ça revient à 50 centimes. C'est accepté. Enfin, je sais pas, toi, tu payes combien genre... Non, ça va. 880 euros. Ouais, c'est acceptable. Je crois qu'on a trouvé le bon plan, quoi. Non, ça va, vous êtes pas mal. Donc, vous avez tous votre bac ici? Oui. Ouais. Oui. Perso, j'en ai 2, moi. Monsieur. C'était quoi ton SP sur les 2? Mes SP, il y avait grec ancien et physique quantique. Ah, super. J'ai eu 22,7 sur 20. Et puis, on termine avec une news que j'appellerais dans quel monde vit-on, puisqu'on est ici sur une femme qui s'est donc fait violer dans un hôtel au Qatar et qui a donc été condamné à 1 an de prison pour adultère. What? C'est un charmant monsieur qui, dans lequel je me suis beaucoup reconnue, qui m'a fait énormément plaisir. Voilà, donc ça c'était nous, il peut en témoigner. Ce matin on a galéré et hop,
Et cet homme s'en bat les couilles à côté. Oui, complètement. C'est-à-dire et l'homme est resté là. Le niveau de battage de couilles est très élevé. C'est ça. C'est après, quand tu fraudes, voilà, faut s'y attendre. C'est compliqué. Et le monsieur a l'air très très serein sur le sol. Je pense qu'il préfère être là qu'au bout. Il a pris ce mais, mais il est décédé instant ou comment ça se passe? Je pense qu'il est ok. Coup du lapin, genre. Mais c'est délicat. Et racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Là, dans le métro ou quoi? Pourquoi vous avez galéré comme non, ça? Non, c'est dans notre vie. Bon, ah, quand on se lève, quand c'est une métaphore. J'adore oui, l'humour, ça. Je reconnais ça. Ah, c'est l'humour. Merci, merci. Bien joué. Pas ressenti de t'sais, crainte ou quoi. J'ai sué toute la nuit et ce soir-là, genre. T'as sué toute la nuit, sans passer. Et genre, mais j'ai eu peur toute la nuit. Et genre, j'ai ma mère. Sué dégueulasse toute la nuit. Oh et genre, ce week-end-là, genre, ma mère était venue à Ashford. Oh c'est dégueulasse. Ce week-end-là, ma mère était venue à Ashford. J'ai pépé.